Salut à tous les Galax et bienvenue sur Deathloop pour une nouvelle aventure. Très content de vous retrouver sur un jeu que j'attendais beaucoup qui est développé par Arkane Lyon, à qui on doit les excellents Dishonored. On va commencer la série sur l'île de Black Reef, qui est en quelque sorte, pour le joueur, une prison. Parce qu'on va vouloir briser la boucle temporelle et s'échapper de cet open world qui a l'air magnifique, inspiré bien sûr des années 60. Eh bien écoutez, on lance tout de suite. Comme chaque début de série, je vous invite à laisser un pouce bleu si ça vous plaît en fin de vidéo. Pensez également à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer parce que c'est un jeu assez particulier. On va mourir, je pense, souvent. Hein. Souvenez-vous de ce let's play qu'on a fait il n'y a pas longtemps sur l'excellent Returnal. Je ne sais pas si on va mourir autant. J'espère pas quand même. Brisez la boucle, incarnez Colt et vivez la boucle à 100%. On est parti. Je précise bien sûr qu'il s'agit de la version PS5. Le jeu est dispo seulement sur PS5 et PC. Pour la dernière fois, pourquoi tu ne sers pas? Donne-moi juste une seconde. Tu fais aucun effort. J'ai pas la moindre idée de... Merde, ça sent pas bon. Tu vas te dépêcher, oui. Ça rigole zéro. Donc ça, c'est Juliana hein, qu'on a vu. Hein. Et nous, on incarne quoi? C'était quoi? C'était un... stupide cauchemar. Putain, faut que j'arrête la picole. Putain. Comment je suis arrivé là? Oh, je sens que ça va me plaire. Le jour le plus long. Qui que je sois, où que je sois, et qu'importe... J'ai pas eu le temps de lire, ça commence. Je suis énervé. Explorer les lieux. Alors attends, ouvre rien. D'accord. J'ai rêvé que je mourais, je l'ai senti, comme je sens cette place gelée, mais je ne suis pas mort. Alors, je suis quoi? Si l'opposé du paradis existe, c'est ici qu'on le trouve. Le sol est dur, l'air mort, et même l'aube n'y a pas sa place. Falaise du manoir. D'accord. Et donc, je peux pas lire... Ah bah tiens, si. Le jour le plus long. Qui que je sois, où que je sois, et qu'importe ce que ça me coûte, je me barre d'ici. Explorer les lieux. D'accord. On va voir un petit peu ce que ça donne. Waouh! Eh, c'est fluide, hein! Génial. Oula, par contre, il est speed, hein. Ah ouais! Pas mal l'éclairage, hein. Ok, donc L3, le stick gauche, en avançant pour sprinter, d'accord. Et on peut esquiver comme ça, d'accord, sous les côtés, on fout un coup de stick. Très très bien. Brise la... Oula. Élégant. Brise la boucle! Dites-moi que je rêve. Non, toujours là. Je le vois et merde. T'as un peu trop forcé sur la boisson. Ok, qui, on grimpe. Qui es-tu? Qui suis-je? Mon nom. Mon nom. Bordel de merde. C'est quoi mon nom? Ok, il est amnésique en plus. J'ai allumé le réveil. J'ai eu peur que ça explose. Je me suis dit, attends, le réveil en fait c'est une bombe. Salut toi, je t'ai manqué. Et qui es-tu? Oh, une arme. Tiens. Pistolet mitrailleur d'infanterie légère. Pourquoi je sais ça? Oh, ok. Parce que t'es un beau gosse. Alors, appuyez sur R2 pour tirer, maintenez L2 pour accéder au mode visé. Et en fait, on est sur PS5, donc j'ai hâte de voir un peu les vibrations. Hein. Carré pour recharger, les armes à feu traditionnelles ont tendance à s'enrayer, ok. Dans ce cas, appuyez sur carré pour reprendre le combat. Très bien. Un peu de pratique, appuie dessus, t'es rouillé. Ah, d'accord, te revoilà. Tire-moi dessus. Avec plaisir. Joli. Joli feu. Ok, les vibrations, c'est pas mal. Vraiment. Alors, je suis assez critique en général sur la DualSense et ses vibrations. Et les retours haptiques, mais là pour le coup, c'est plutôt appréciable. J'ai déjà plus de balles par contre. Hein. Est-ce que je peux rentrer là-dedans? Ouais. Je sais pas trop ce que je dois faire pour le coup. On va fouiller. Oh, génial, bien sûr. C'est moi, je suis toi. D'accord. Tiens, tiens, ça me rappelle un truc. Ça a l'air d'être chez moi. Ça m'en a tout l'air. Sois le meilleur de toi-même. Breloque personnel exemplaire. Ça brille. Oh. Je me sens tout drôle.
Toujours un univers aussi particulier, hein. Breloques, et ce n'est pas négatif. Les breloques sont empreintes du pouvoir de l'anomalie temporelle de Black Reef. Certaines amplifient vos talents et attributs, tandis que d'autres améliorent vos armes. Plus la breloque est de qualité, plus ses effets sont puissants. Vous pouvez équiper les breloques entre les missions, mais avant il faut les récupérer. Vous les trouverez cachées un peu partout sur Black Reef, ou à prendre sur vos ennemis. D'accord, très très bien. Il me faut des munitions. Qu'est-ce que c'est ? Un truc pour hacker ? Black Reef. On doit être hors saison. Ouais, c'est moi qui ai fait ça, je crois. Alors, utilisez le haka magique pour pirater, c'est ça, des appareils électroniques et les retourner à votre avantage. Visez un appareil et maintenez L1 pour le pirater, ouais. Les lumières sur l'appareil vous indiquent la progression du piratage. Une fois piraté, certains appareils peuvent être déclenchés à distance à l'aide du haka magique. Visez l'appareil en question et appuyez sur L1. Tout appareil doté d'une antenne peut être piraté. C'est donc le cas des capteurs, tourelles et volets de sécurité. Intéressant. Ça, on aime bien. Ok, d'accord, donc faut attendre, ça charge très très bien. J'ai compris. Tu connais le code. Bordel de... Je connais aucun code. Hey, allô ? Qu'est-ce que... Tu connais le code. Il est juste là. Ok. Alors, c'est pas hacké. Digicode. Et comment ça, je le connais ? Je devrais peut-être chercher ce foutu code. Trouver le code. Je croyais que tu le connaissais. Je ferais bien d'aller en chercher un si je veux ouvrir cette porte. Il doit y avoir une autre sortie. Ok, faut que je trouve un code. On va devoir descendre, évidemment. Colt ? Eh, c'est mon nom, Colt ? Je crois c'est bien. C'est forcément ça, hein. J'ai pas l'impression de m'appeler Colt. Ok, on botte des culs ainsi. J'adore. Par contre, voir le texte « munitions faibles » depuis tout à l'heure, ça me saoule, hein. C'est un petit détail, mais bien relou. C'est froid ! Putain, tu fumes quand tu vas dans la flotte, toi ? Elle doit être vraiment gelée, hein. Merde, c'est elle. Va tenter de briser la boucle en même temps que ses engagements envers eux. Donc, le protocole entre en vigueur. Protéger les visionnaires, tuer Colt et profiter de votre journée. Ouais, ça présage rien de bon. Alors, maintenez près d'un rebord la croix pour grimper, d'accord. Le jeu en tout cas est très beau et très fluide, hein. Je tiens à le préciser. Ok, on peut glisser en sprintant, hein, du coup. Wouhou! Ok. Ça marche. On est vraiment flex. Ils essayeront de t'arrêter. Très bien. Je vais les en empêcher. Une machette! Oh, il va y avoir de l'infiltration, bien sûr. Appuyez sur R1 comme dans les Dishonored. Appuyez sur R1 lorsque l'interaction apparaît à l'écran pour effectuer une exécution et tuer instantanément un ennemi qui n'est pas sous ses gardes. Vous pouvez effectuer une exécution lorsque vous êtes armé ou à main nue ou appuyez sur R1 pour sortir votre machette. Vous déplacez silencieusement lorsque vous êtes accroupi, alors appuyez sur rond pour vous approcher doucement. D'accord. Ok. Comprendo. Machette. Oh, une belle machette luisante. Ça va faire mal. Ok, c'est un pisseur. C'est moi, mon petit. Ah, il pisse. Allez, hop. Ça dégage. Oh, il a disparu. Ça semblait trop facile. J'ai déjà fait ça, obligé. Ah d'accord, il laisse apparemment une orbe. Les ennemis morts disparaissent, ne laissant derrière eux qu'une trace révélatrice. D'autres ennemis peuvent les remarquer et chercher à vous le faire payer. D'accord. Très bien. Oui. Là, il y a des balles, mais on est déjà à fond. Pour l'instant, que du petit calibre. Hein. Alors, attends, comment on change d'arme? Ok, triangle. Assez simple. R1 pour revenir sur la machette. Ça me va. Oui. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Et on n'est pas dans un milieu tropical. Hein. Allez. C'est beau, hein, en tout cas. Hein. Regardez-moi ça, la roche, elle est tellement... tellement joli. Niveau texture, c'est pas mal du tout. Demain, ils seront de retour. Pourquoi je me rappelle pas ? Ouais, totalement amnésique.
Et là encore, on est dans une partie un peu désertique, hein. J'ai hâte d'arriver en ville. Il y aura beaucoup d'éléments affichés à l'écran. Ça risque d'être véritablement magnifique. Ah, j'entends quelqu'un. Encore des munitions, pas besoin. Il y a des gens. Alors, concentration. Appuyez sur la flèche du bas pour marquer un ennemi et afficher sur votre écran un indicateur de type du type d'arme qu'il porte. Eh, hey, cool. Observez les ennemis marqués pour connaître leurs itinéraires de patrouille. Maintenez la flèche du bas pour vous concentrer sur vos ennemis et ainsi en savoir plus sur eux, notamment leurs techniques de combat, leur degré de vigilance ou encore des indices sur les types d'objets qu'ils peuvent porter. Les éternalistes, possédant des équipements particulièrement puissants, rayonnent littéralement de puissance. Vous pourrez en apprendre plus en vous concentrant sur eux. Ok. Très bien. On va tester ça. Donc admettons, lui. Ok, combattant à l'épée, pense qu'il ne se passera rien. Aujourd'hui, kit standard. Ah, et qu'on n'est plus dans le rayon de l'ennemi. On ne peut plus analyser. Super. Je vais le faire avec tout le monde, hein. Ok, arme à feu. N'a pas conscience de votre présence, équipement basique. En même temps, personne ne sait que je suis là. Fonce sur sa cible. Attends qu'il se passe quelque chose, équipement basique. D'accord, donc elle est méfiante quand même. Arme à feu également. Attends qu'il se passe quelque chose, kit standard. Très bien. Est-ce qu'on peut faire autre chose? Parce que c'est aussi un jeu, bien sûr, d'observation. Je pense qu'on peut le tuer en hauteur, non? Est-ce que je peux lui sauter dessus? À la assassin, ce serait génial. Vous surplombez un ennemi. Effectuez une chute assassine, mais oui! Dans les airs, appuyez sur R1, tout en vous laissant tomber sur votre cible. Ok. Ça a pas marché, je crois bien. À moitié. On va dire à moitié. C'était moche, hein. C'était vraiment moche. Mais c'est que le début. On apprend à jouer. Ok, signal piratable. Genre, provoquer des perturbations. D'accord. En fait, je pensais que la touche R1 allait s'afficher, tu vois, pour le mec en bas, là. Donc, ça m'a un peu perturbé. Je vous l'accorde. Ok, donc là, on l'attire, en fait, simplement. Il a une tête bleue. Ok, lui, par contre, tranquille. Coucou. Ah, on m'a vu, je crois bien. Peut-être pas totalement. Ouais, j'ai envie de tester mon arme un peu. Coucou. Allez, on passe en mode action. Elle a rien entendu, l'autre, là-bas? Mais non. Ça, c'est incroyable, par contre. Ok, on repasse à la machette. Donc, en fait, on est sur une île où le bruit est étouffé complètement. Du fist pop. Non, ça va. Non, ça va. C'est pour la santé, peut-être? Je sais pas. Mais c'est marrant, elle regarde par ici, elle me voit pas. On va essayer d'y aller en douceur. Elle discute pas avec quelqu'un, par hasard? Je sais pas, j'entendais une autre voix. Ah non. Ah bah zut alors. Je suis foutu. Changement de plan. Reviens. T'es morte. Ok. Par contre, ouais, on a vite plus de munitions. Allô, hein. Allô. Hein. Je... Bon, okay, il faut s'y faire fait, un petit peu. Je hein. sais pas trop ce que j'ai foutu hier soir. Mais si tu pouvais juste... Je crois qu'on se connaît. On se connaît, hein. Je fouille un peu partout, hein. Bah, c'est un peu embrouillé. Je m'appelle Colt. Tu veux me tuer, je sais pas pourquoi. Et je sais aussi un putain de code que je piche pas. Et il y a ces boucles. Ouais. Je crois, je pense. Station de soins. Utiliser une station de soins pour guérir, maintenez carré jusqu'à guérison complète. Donc c'est bien ce que je pensais. Ok, je vais la briser ta putain de boucle. Et quoi que j'ai fait pour t'emmerder, je suis désolé. T'es là? On était ensemble? Ok, station de soins. Et des petits consommables hein, qu'on peut trouver aussi dans les environnements. Super. Histoire de remonter la life. Qu'est-ce que c'est beau. Il me semble avoir vu quelqu'un, mais non. C'est juste une forme. Oh là là, regardez-moi ça. La salle de bain du futur. Enfin, les toilettes du moins. J'adore l'agencement avec le visage là. C'est un bar. Porter la bouteille. Je suppose qu'on peut faire diversion, peut-être éventuellement ébranler les ennemis, c'est pas impossible. Les déstabiliser. Oh là là, j'adore le design. L'ADA.
Années 60 typiques, hein. Rétrofuturiste. Bon, j'espère qu'on va la briser cette foutue boucle. Là, c'est verrouillé. Bon, ah, le petit bruit. Je suis dans la bibliothèque. Théon. Hein? Quoi? T'es là? Putain. Là! Quoi? Oh, tu te fais toujours avoir par les mêmes vieux trucs. Tu pourrais pas faire un effort pour rendre ça intéressant rien qu'une fois? C'est quoi ce truc de merde? Garnésis. Alors c'est comme ça que tu le prends. Tu sais que d'habitude, je suis sympa avec toi, espèce de sale ingrat. Mais... cette fois, je vais te laisser te démerder. Oui, on est ensemble. Oh, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? C'est la bonne question. Et on va le découvrir. Je connais pas le code. Attends, je suis enfermé du coup? Saute. Ouais, renvoie-lui l'appareil, tu survivras. Saute tout du long. Attends. Ok. Très bien. J'y vais. Ah, t'es sûr que je survis? Putain, c'est quoi ce délire? C'est moi? T'es... Moi? Tu l'as noté sur Black Reef. Tu connais déjà le code. Qu'est-ce que ça veut dire, putain? Oh putain, remonte-moi. Qu'est-ce que t'es lourd? La carte postale, poulet. Tu l'as écrit sur la carte postale de Black Reef. Tu piges? Ok. Attends, je vais te lâcher. Attends. Non. Merde. Non. C'est énorme. De mourir. C'est quoi ce putain de bordel? Bon, carte postale. Va chercher la carte et tire-toi de cette plage. Maintenant, on a un élément en plus. Examinez la carte postale. Alors, l'autre Colt a dit que le code était sur la carte postale. Il doit parler de celle qui était accrochée à l'Aka Magic. Bon, t'aurais pu le voir alors. T'es sérieux? Allez, on y retourne cette fois-ci, on passe à gauche. Hein. Comme ça, pas de jaloux. Alors, brise la boucle. J'adore quand c'est écrit comme ça sur les décors. La journée passe vite, sois plus rapide, fuis Black Reef. Le jeu va nous filer des conseils, hein, je pense. Ouais. Allez. Par contre, faut bien penser à récupérer les munitions qu'il y avait à droite à gauche. Le même matin. La même putain d'émission. Ouais. Non. On est à fond, je récupère l'arme. Dis-moi, y'a pas d'autres trucs, non, à récupérer? J'avoue, j'ai pas tout regardé. Je suis assez curieux, mais je pense pas hein, qu'il y ait d'autres trucs. C'est juste des cibles pour s'entraîner, non? Des bouteilles, ouais, mais c'est juste à prendre comme ça, sur le coup, quoi. Là, j'en ai pas besoin. Ah, il nous indique effectivement la carte postale. Alors, est-ce que pas de la louper? Maintenant, permettez que j'aille un peu plus vite, hein, vu qu'on connaît un peu les lieux. C'est ça aussi le principe. On récupère la breloque. Ouais. Et là, nous avons le haka magique. Voilà. Putain de sale blague. Mais t'avais juste à regarder derrière. Sérieusement. Premier étage, Dorset Square, Updam. Et donc c'est 6-2-2-2. Tu as un code, une c'est adresse parti. À Updam et ta vie. Pour le brisage de boucle. J'adore le concept, c'est trop bien. Allez, maintenant on pourra passer. Tu veux que je la brise? Tu veux pas que je la brise? Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu Super. Sois pas un enfoiré. C'est une matinée ou deux au top. J'en ai ma claque de toi et de tout ce bordel. Ça se termine aujourd'hui. Et voilà. C'est évident. C'est évident. Bon, l'avantage, c'est qu'ils nous remettent le code, hein, si jamais on l'a oublié. Ici Juliana Blake avec une annonce urgente. Je viens d'apprendre que Colt nous a trahis. On sera en alerte maximale et les... Ah, charge Strolak. La charge Strolak est un explosif versatile offrant trois configurations. Grenade, mine laser et mine de proximité. Équipez la charge... Strolak, en appuyant sur la flèche de gauche, maintenez la flèche de gauche pour sélectionner un mode spécifique, grenade. Appuyez sur L1 pour lancer ou maintenez L1 pour déclencher avant de lancer, d'accord. Mine laser, appuyez sur L1 pour lancer ou sur L1 vers une surface pour la placer. Et mine de proximité, appuyez sur L1 pour placer une charge silencieuse pour un piège discret. Ok, il va falloir s'y faire hein, par contre. Hein. Très bien. Le mode spécifique, ouais. Bien sûr, on restera jusqu'à sa mort. Attends, je vais essayer. Alors, tuez-le vite.
fait comme ça. Et le mode spécifique, on le choisit comme ça. Ok. Il va me falloir plus de munitions. Ça va, ça va. Et on repasse sur le hack comme ça. Ok. J'ai compris. Par contre, faut me dire quand il faut que je les place. Hein. Parce que sûrement qu'on va se faire tuer par Juliana, hein, par la fraude. Pourquoi on mettrait ça dans... Wow. Putain. Good morning, Black Reef. Wow, wow. Ok. C'est normal que ça fasse ça. Oh, c'est froid et bizarre. Reprise. Cette mystérieuse pièce de métal semble vous appartenir. Le module vous confère la capacité de reprise, permettant de revenir deux fois après avoir trouvé la mort. Eh, trop cool. Si vous mourrez une troisième fois, la boucle en cours prendra fin. Donc il y a quand même des sortes voilà, de seconde chance. Voire là, on a deux chances supplémentaires. Vous vous réveillerez au matin de la boucle suivante, dépourvu de tous les équipements collectés, la boucle précédente. Terrible. Après être revenu à la vie grâce à une reprise, vous demeurez invisible quelques secondes. Profitez-en pour vous mettre à l'abri. Le nombre de résurrections prévues par la reprise est remis à zéro lors du voyage entre quartiers. D'accord ? Ok, j'y vais. Point du jour. Vous possédez un flingue, une poignée de grenades et une adresse dans un coin appelé Updam. Allez donc y trouver les réponses. Ok. Zone suivante donc. J'adore le design. Connexion au serveur de jeu. Vous possédez un flingue, ok, vous avez survécu. Très bien. Savoir à qui. Trouver mon immeuble à Updam. Mon courrier arrive à une adresse à Updam, j'ai le droit d'ouvrir ma boîte aux lettres, même si j'ignore qui je suis, non. Falaise de manoir, explorer les lieux. Ok, trouver le code, utiliser le digicode, c'est ce qu'on a fait. Équipement récupéré, on a donc... Et donc ouais, au fur et à mesure qu'on va recommencer les boucles, on récupérera de plus en plus d'équipements parce qu'on aura des infos, on saura comment jouer, où aller, et ainsi de suite. Très très bien. Ouais, les grenades également. Et deux breloques hein, qu'on a récupérées. Hein. Réduit légèrement le recul. Je les ai pas équipés pour le coup en plus. Ouais, est-ce que l'arme est compatible aussi? La seule arme que j'ai. Bienvenue dans Deathloop. Voici quelques conseils pour bien démarrer. Les pistes enregistrent les informations découvertes qui permettront à Colt de briser la boucle et de s'échapper de Black Reef. Vous retrouvez ici les pistes que vous avez découvertes. Déplacez le curseur et appuyez sur la touche croix pour sélectionner ceci. Ok. Les visionnaires, il me semble qu'il y en a 8 à tuer, hein, d'après ce que j'avais lu. Votre piste actuelle s'appelle le jour le plus long. Vous l'utiliserez comme d'autres pistes du même genre au fil de Deathloop pour vous guider et suivre votre progression. Trouvez mon immeuble. Yes. J'ai compris. Suivant. Pour retourner aux détails de la mission. Ouais, c'est dangereux par ici, il faut vous équiper des meilleurs objets et armes. Sélectionnez ceci avec le curseur pour examiner votre équipement avant de vous aventurer sur le Black Reef. Ou alors on appuie sur triangle. Les objets téléchargés seront disponibles après avoir terminé le jour le plus long. Cet emplacement sont dédiés aux modules, d'étranges objets fournissant des aptitudes puissantes et hors du commun. Vous possédez également Reprise, le module personnel de Colt, qui lui donne une deuxième et troisième chance lorsqu'il meurt. Vachement cool. Tuez des visionnaires et prenez leurs modules, vous pouvez les équiper en les améliorer ici. Les breloques sont des petits appareils pouvant vous donner de gros avantages. Certaines ajoutent de tout nouveaux aspects à vos aptitudes de base. Vous avez déjà trouvé une breloque, utilisez le curseur pour sélectionner un emplacement ou l'équiper. Ok. Enfin peu importe, celui-là par exemple. Montez sur ressort. Sélectionnez cette breloque pour l'équiper. Ce petit morceau de métal vous permettra d'effectuer des doubles sauts. Lorsqu'elle est équipée, appuyez une deuxième fois sur X après avoir sauté pour rebondir dans les airs comme un super-héros. Génial, j'équipe. Appuyez sur rond pour retourner à l'équipement de Colt. Lorsque vous aurez récupéré plus d'armes, vous pourrez les choisir ici. Très bien. De nombreuses breloques modifient vos armes. Sélectionnez votre avec le curseur et triangle pour modifier avec une breloque. Ok, breloque. Des armes de meilleure qualité peuvent accueillir... Alors c'est un peu lourd, hein, je vous rassure, mais ensuite on jouera vraiment. Des armes de meilleure qualité peuvent accueillir plus de breloques. Alors ouvrez l'œil pour en récupérer. Sélectionnez l'emplacement de votre PMIF 10. Allez-y, sélectionnez cette breloque pour l'arme à votre flingue. Donc réduit légèrement le recul, c'est compatible apparemment. Appuyez 3 fois son pour sélectionner votre prochaine mission. Ok. Vous êtes armé, vous êtes équipé et vous êtes prêt à briser des boucles, j'allais dire autre chose. Enfin, normalement, sélectionnez et maintenez ceci pour aller à Updam. Enfin, le normalement, ça veut dire qu'on va peut-être crever bientôt. Hein. Allons-y. Nouvelle zone du coup. On est ready. Ah oui, ça a l'air joli, cette nouvelle zone. Alors on fait ensemble la première boucle. Enfin là, c'est la deuxième en fait.
Place d'Orsay, premier étage. Place d'Orsay, premier étage. Place d'Orsay. En fait, tant qu'on est vivant, comment on continue. Comment tu sais où je suis? T'as des caméras ou quoi? Carte du système de tunnel. Je peux pas inspecter. Je sais pas moi-même où je vais. Ok, je peux passer par là. On dirait que tu attends une invitation. Surveille tes arrières. Un autre moi, ce Colt-là en a plein le cul de te parler. Ok, ça m'inquiète. Là, il y a un code, mais est-ce que je peux revenir ici? Je l'aime, ah non, faut le code. Ah, je l'ai, c'est le 6222. La mort est morte ici. Hein? Par contre, quand on me dit surveille tes arrières, moi ça me fait flipper, j'ai toujours envie de regarder derrière moi, quoi. Ou alors, peut-être qu'il y a des pièges. Votre propre style. Les ennemis et obstacles de Black Reef peuvent être éliminés de nombreuses manières. Combat, esquive, furtivité et ruse constituent tous autant d'approches possibles. Attendez la fin d'une conversation pour isoler vos ennemis et éventuellement glaner de nouvelles informations. Installez des pièges et faites du bruit pour faire tomber vos cibles dedans. Ou engagez-vous dans un combat pur et simple, mais attendez-vous à affronter de possibles renforts. Ouais, on va éviter. Est-ce que comme dans Far Cry, il y aurait des alarmes à désactiver, non? Ou à casser, ce serait bien? Qu'est-ce que c'est beau! Mais oh là là! La DA du jeu, j'adore. Bah, tu reconnais bien quand même, hein? Arcane. Le truc, c'est que je vois personne pour l'instant. Black Reef t'appartient, certain. J'ai envie de rester un petit peu en hauteur, tiens. Peut-être des gens, hein. Leur merdier, ton leurre. Ok, admettons. Hein? Toi, je t'ai vu. Alors, n'a pas conscience de votre présence, sans équipement basique. On va se le faire. Par contre, passe à la machette, s'il te plaît. Il semble que c'est du soin ici. Ok, tout doucement. Coucou. Ok. Et d'un. Alors, est-ce que c'est une bonne idée par contre, ou une arme? Génial. Changer d'arme. Est-ce que c'est une bonne idée de tuer tout le monde? Je suis pas sûr. Maintenez triangle pour faire apparaître les équipements principaux, sélectionner l'arme souhaitée, puis relâcher pour l'équiper. Par contre, rapidement les armes principales. D'accord. C'est trop fast en plus. Ok, et on sélectionne comme ça, hein. Menu circulaire classique. Très bien. Ah, je suis comme un gamin, moi. Je m'excuse, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop qu'on s'extasie devant un jeu. Mais moi, à chaque fois que je découvre quelque chose, un nouveau jeu, voilà, moi, je suis en kiff. Ok, attends, je vois des gens là-bas. On peut, remarque, les analyser de très très loin. Combattons à l'épée, pense qu'il ne se passera rien, kit standard. Ouais, pour l'instant, on a quand même des ennemis assez classiques. Et le petit dernier, là. Non, lui, tu l'as déjà analysé. Ok, faut attendre jusqu'au bout pour que ça reste, non? Parce que l'autre, regardez, ça a disparu. Ok. Ah, c'est bon, j'ai les trois. Qu'est-ce que c'est? Quoi, ce truc? J'ai posé la question avant. Je peux faire quelque chose? Je peux interagir? Alors là, j'en ai aucune foutue idée, hein. Ah mais faut peut-être sauter dessus, je suppose. Non, c'est pas un trampoline. Je vais chercher loin. Je sais pas ce que c'est. Ok, les gars en bas, j'ai même pas vu. Armé et rapide, attention. Donc lui, il t'allume direct. Ça c'est un pompe, hein, je crois. Ok, on va descendre. Faut pas qu'il nous remarque, hein. Est-ce qu'on peut faire diversion? Attends, repasse sur celui-là. Est-ce qu'il y aurait quelque chose pour faire diversion? J'en ai aucune foutue idée. Sans la boucle, cet endroit se serait effondré en deux jours. Ce serait bien de pouvoir les attirer ailleurs. Et je sais pas comment pour le coup. Bon, tant pis, on va essayer de faire comme ça. Hein? Allez. D'accord. Et c'est maintenant que tu me parles de furtivité. Parfois, il est plus facile d'éviter un combat que d'en déclencher un. Explorer Black Reef incognito en appuyant sur rond pour vous déplacer silencieusement. Penchez-vous en appuyant sur rond et servez-vous du stick pour jeter un œil dans les coins. Les éternalistes vous repéreront bien moins facilement si vous vous trouvez au-dessus de leur champ de vision, alors profitez des opportunités d'aller en hauteur. Faire du bruit en tirant des coups de feu ou en courant par exemple peut attirer l'attention des éternalistes même à une certaine distance. Ok, la vigilance est affichée sous la forme d'une icône au-dessus de leur tête qui se remplit au fur et à mesure qu'ils se rendent compte de votre présence. De sans méfiance à suspicieux et enfin sûr que vous êtes là. Les éternalistes peuvent prévenir les autres de votre présence dans la zone et certains vont même appeler des renforts. Cependant, le programme Ion
n'aime pas miser sur des personnes ayant de longues capacités de concentration. Si des ennemis sont en alerte, essayez de partir et de vous cacher. Si vous restez à couvert pendant quelques temps, les éternalistes se désintéresseront de vous et iront faire autre chose. D'accord. Vite. Je fais de la merde. Ok, est-ce qu'ils m'ont entendu les autres ? Wow, c'est quoi ça ? Fossoyeur vaut pas. Arme double. Colt peut manier une arme dans chaque main. Vous gagnez en puissance de feu, mais perdez toute capacité d'accès au mode visé. Si vous tenez une arme à feu ou la machette dans la main droite, appuyez sur la flèche droite pour équiper une autre arme à feu dans la gauche. Appuyez de nouveau sur droite pour parcourir les armes secondaires disponibles. Vous pouvez également maintenir pour faire apparaître les armes secondaires, sélectionner l'arme voulue. Ok, relâcher pour l'équiper. Oh là là, c'est compliqué. Oh là là. Ok. Je vois le délire. Ouais. Bon, on va rester comme ça, hein. Là, pour l'instant, on a deux différents types d'armes. Bien sûr, je préfère en arme solo, hein. Le code, on l'a pas là-bas, je pense pas, hein. Peut-être ce sont des éléments qui se débloqueront au fur et à mesure, ça. Hein. Peut-être que pour l'instant, dans notre book, on l'a pas. Non, j'ai pas le digicode. C'est ce que je pensais. Ah, on n'a pas une info, là. Electro, je t'en prie. Mon ami, mon pote, mon compagnon de fortune. La dernière chose que j'ai envie de faire serait de te blesser. Mais je vais tuer tout le monde sur cette île si ce portail continue à faire de la merde. Je sais que t'as eu certains déboires autrefois, que t'es venu ici pour un de vos départs, que t'as juré de plus jamais réparer une surcharge électrique, que tu détestes qu'on t'appelle Electro, mais mon canard en sucre, mon petit oiseau des prés, mon orteil préféré, quelqu'un a fusé des fils ou filé des fusibles ensemble et maintenant, à chaque fois que quelqu'un compose le numéro du portail, il s'ouvre. Mais non, super pour la livraison, mais merdique niveau sécurité. Si je me fais choper encore une fois pour manquement, je suis bon pour voir le capitaine, et même si en temps normal, mon palpitant serait tout content au vu du contexte, là j'ai plutôt les foies. Tu voudrais bien me sauver les miches, s'il te plaît, je t'en prie, Jerry. Très très bien. Tiens, on n'est pas allé fouiller là-dedans. Ouais, il y a des objets comme ça, on sait pas du tout, tiens. Des pétards ? Sûrement super divers. Non, j'ai envoyé un pétard ! Mais non ! Je voulais pas les lancer, moi. Ok, donc je suis allé directement là-haut, tu vois. Je vérifie juste si j'ai rien oublié de ce côté. Bon. Bah écoutez, on va continuer par là. J'ai vraiment l'impression d'être un noob dans le jeu, mais c'est normal, on le découvre. C'est assez frustrant de ne rien maîtriser, mais ça va venir. Hein. Comme d'hab. Ah mais je suis con, je l'ai en main. C'est pour ça. On va pas sur la machette. Hein. On va prendre l'habitude au fur et à mesure. Hein. Ok, c'est pas une simulation. Là par contre c'est une situation compliquée, hein. Ils sont très nombreux. Il est sur ses gardes. Équipement basique mais sur ses gardes. Et j'ai perdu un peu de vie, hein, d'ailleurs. Hein. J'ai joué au con avant. C'est clairement pas la run parfaite. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Ok, faut que j'aille par là-bas. Est-ce qu'on peut éviter de se faire détecter éventuellement? Je pense qu'on peut continuer sans les tuer. Ah, une caméra par contre. Attention, est-ce qu'on peut la scanner celle-là? Non. Ok, c'est piratable. Il y a quelqu'un ou pas? Je vois personne. Ça m'épate qu'il y ait personne parce que s'il y a un truc pour faire diversion. Tiens, je vais reprendre de la vie. Nickel. Pas besoin de munitions apparemment. Donc si quelqu'un arrive, on pourra faire diversion. Ok. Des indices d'un autre moi. Alors, comment on va faire pour éviter le rayon de la caméra? Perturbation, c'est pas avec ça du coup. Attends, je vais essayer quelque chose. Je pense pas, hein. Je pense que ça va rien faire. Ah, mais si, ça va peut-être les attirer. Attends. Je vais ici, éviter les problèmes. Je peux grimper, voilà. Ah oui, bah. Voilà. Comme ça, au moins, on contourne le rayon. C'est aussi con que ça. Ok, ça qu'est-ce que c'est? On dirait un truc de cuisson. Une plaque de cuisson. J'ai pas envie de faire trop de bruit, hein. Je vais vous montrer l'éternité. Mon appart, c'est ici? Ah mais trop trop bien. Ah mais je vous le dis, on est parti pour un let's play les amis. Hein. C'est obligé. Hein. Là on maîtrise pas trop aujourd'hui, c'est à découverte, mais ça va venir. Ça a l'air incroyable. Attends.
garçon boucher. Oh le boucher. Alors, on peut monter par là apparemment. Le jeu, bon, nous montre bien où passer. Level design qui a l'air assez clair. Oh punaise. Mais messieurs, qu'est-ce que vous faites ici? Fallait vous annoncer, hein. Attends. Pas besoin de munitions. Je vais un peu n'importe où. Est-ce que je peux pirater quelque chose pour faire diversion? Elle adorait cette vue. Ah mais c'est par ici qu'on rentre dans l'appart. Ok. Logique. Je peux tenter la grenade éventuellement, voir ce que ça donne. On tente? Non. Comment on lance? Comme ça? Ok. Ça va exploser! Allez, salut! Ah par contre, les autres sont alertés ici. Oh, c'est la galère. Ok. C'est la mort. Vite. Ok, je suis détecté, très bien. On maîtrise. T'inquiète. Vite. Changement. Oh, je prends cher. Let's go, bouge. C'est la galère, il me faut du soin. La panique. Recharge. Du soin, là. Nickel. Ok, c'est quoi? C'est pas une alarme, ça? Non, ça n'a rien à voir. Le mec complètement fou. Bonjour. Ok, munitions faibles, mais s'il m'en reste une, c'est bien. Parce que c'est une arme méga puissante. Coucou. Énorme. Où êtes-vous? Remarque, avec deux armes, ça serait peut-être bien. Dernier ennemi. Je l'ai pas vu. Mais non, je l'ai pas vu. Oh. À la surprise. Cette mystérieuse pièce de métal semble vous appartenir. Ouais, mais j'ai compris. Ok. La boucle prendra fin. Mais c'est incroyable. Ok, on reprend de là. Aïe, aïe, aïe. Bon, j'ai voulu la jouer action. Très, très cool. Mais on s'est vite fait piéger quand même. Très bien. 20 noms de Dieu, c'est incroyable. Quelle fluidité. Vraiment. Dans le jeu. Alors il me reste plus qu'une reprise hein, du coup. Hein. Ah bah du coup il reste plus personne. Ah bah oui. Ok, donc c'est pas on reprend tout depuis le début hein, voilà. Enfin, sauf si on meurt encore une fois, mais on se comprend. C'est quoi ici? J'adore ce genre de jeu, tu vois, où au début on est nul. Au fur et à mesure, on apprend tout ce qu'il faut faire. C'est censé être chez moi, ici. C'est étroit. Ok. Toi, toujours toi, ils adorent se lire. Se lire. D'accord. J'ai récupéré des clous. Oh, une PT6 Spiker, remplacer la main droite. Ouais. Qualité parfait de l'arme. Pour redécorer chez soi. Ou enchaîner les têtes en toute discrétion pneumatique, ouais. C'est un lance-clou? La qualité des équipements est variable. Un équipement de qualité vaut toujours mieux qu'un équipement médiocre. Ne passez pas à côté de la bonne cam. Par contre, dites-moi, quand on recommence une boucle, on recommence avec des bonnes armes? Ou alors avec rien du tout? Ou alors on sait les trouver, donc c'est plus facile. Je sais pas. Minicom, nouveau message. Waouh, joli. Mignonne. N'abandonne pas. Lila. Ok, nouvelle info. N'abandonne pas. Pas question. Alors, Van, Colt, suspendu. Conversation de groupe temporaire, matin, nouveau message. Ok, décidez de briser la boucle. Merde, ces mecs sont acherbés. Colt, Juliana. T'es encore debout, j'écoute un disque, je suis nerveuse pour minuit. Ouais, bon, on va pas trop s'embêter, de toute façon, je pense que le jeu suffit à lui-même. Tout le temps les gens. Ah, par contre, si j'ai gagné un cadeau. Géré à partir d'une salle de contrôle. Je le savais, putain, pauvre con, va personne facile. À toucher à ton minicom. Dis bonjour. Bien trop facile. Ok, des rencontres torrides à chaque boucle. Oh. Dis bonjour. Ouais, c'était connerie. N'importe quoi. Charlie gère le réseau du minicom. Alors attends, j'ai une nouvelle info là. Hein. Localiser les commandes de la boucle. C'est-à-dire. Centre de contour de la boucle, ça on jette et c'est bien pratique. De toute façon, on a toujours l'objectif. Hein. Donc on n'est pas perdu. Hein. Elle a l'air vachement cool cette arme. J'ai entendu une fille également. Bon là, je suppose que j'ai pas le code. N'oublie jamais.
Vous avez terminé avec Ubdam pour le moment. Prochaine étape, le complexe. Vous pouvez continuer l'exploration d'Ubdam ou rejoindre directement la sortie. Vous aurez de nombreuses occasions de revenir à Ubdam plus tard, alors ne vous forcez pas à en explorer les moindres recoins pour le moment. Si vous mourrez avant d'avoir quitté le quartier, Colt recommencera une nouvelle boucle. D'accord ? Perdons ainsi les armes ou breloques récupérées depuis votre arrivée à Ubdam. Colt a toutefois appris tout ce qu'il devait savoir ici. Vous vous retrouverez donc directement devant votre prochain objectif, le complexe. Ça avance, hein ? Vachement. Méchant, je le vois. Comment ça ? Oh ! J'ai oublié qu'il y avait des gens dehors. Peut-être éviter de se faire repérer, du coup, hein. Et moi, j'ai envie de tout visiter, les gars. Hein. J'ai envie de regarder partout dans la baraque. Ok. Bon. On va aller voir là-bas, hein. Vers l'objectif. On va partir tout simplement, je pense. Hein. D'accord, on peut baisser la fenêtre, ça sert à rien. On passe comme ça, super. Dans cette zone, on a dératisé, hein, si je puis dire. On a absolument tué tout le monde. On n'a plus qu'à repartir dans l'autre sens. Est-ce qu'on peut passer par là, plutôt ? Bah, le problème, c'est qu'il y a sûrement du monde, hein, si on part par là, non ? Merde, ils m'ont vu, je crois. Ah ouais, j'avais pas fait gaffe. On va essayer de partir sans se faire remarquer. Si on y arrive. Est-ce que j'avais laissé du soin ? Non, il me semble que j'avais consommé ici, hein. Ah mais je suis à fond, je suis con. Pas besoin. Par contre là il y avait du monde hein. Dans cette zone là on va devoir faire gaffe. En fait faut repartir, faut revenir d'où on vient. Il y a une caméra là-bas aussi hein. Oh mais j'aimerais bien encore plus explorer quoi. C'est magnifique hein, regardez. C'est pas une simulation. La librairie. Ok. Bon. Bah, écoute, là aussi il y a un truc. Un digicode. Alors, je me demande lequel en fait on peut ouvrir. Oh mais regardez-moi ce level design. Sans déconner, c'est tellement aérien. Là il y a du soin mais j'en ai pas besoin du coup. J'adore, franchement j'adore. Et je pense pas en rajouter hein. Ok. Alors c'était le code qu'on avait déjà. C'est une serpente hein. Sous l'île tout entière. C'est mon ticket d'entrée dans le complexe. Et t'imagines, on termine le jeu en une fois. Non. Souhaitez-vous vraiment partir, le temps va passer. J'ai encore du pain sur la planche. Bien sûr. Je veux voir la suite. Contrôle de la boucle. Il doit bien y avoir un bouton pour mettre fin à ce cauchemar. Il serait temps d'appuyer dessus. Donc là, on passe à la troisième zone déjà. Cette vidéo est sans fin. Résumé donc de cette zone. Éternaliste, vous êtes tué par balle. Ouais. Ça c'est dommage, hein. Par contre on a merdé plusieurs fois. Localiser les commandes de la boucle. Charlie gère le réseau du Minicom, yes. On continue. Équipement récupéré. Cette arme là qu'on n'a pas encore eu l'occasion de testouiller. D'ailleurs faudrait voir si on peut lui attacher quelques petits trucs. Hein. Les quartiers de Black Reef évoluent au fil de la journée. Ici vous pouvez consulter les opportunités et secrets découverts dans le quartier pendant une période spécifique. Vous pouvez également en savoir plus sur un visionnaire vulnérable fréquentant cette zone. Pour l'instant on s'en est pas occupé des visionnaires. Sélectionnez un objectif doté d'une icône de diamant pour lui accoler un repère. Aha. Localiser les commandes de la boucle. Tac 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 tac. L'élite de Black Reef se soucie peu des nuages. Ouais, je vais voir dans l'équipement. Choisissez votre équipement ici parmi les armes, modules et breloques collectées. Les armes se trouvent sur la gauche. Oui, bon, tu vas pas m'expliquer où se trouvent les trucs. Hein. Pour échanger une arme ou un module contre autre chose, sélectionnez-le pour voir ce que vous avez trouvé d'autre. Colt ne peut pas déséquiper reprise. Ok, c'est logique. Sa machette, ses charges ou son fidèle Akamagic. En cliquant sur Colt, vous pouvez également modifier son apparence avec les styles additionnels gagnés. Oh, attends. Où est-ce que c'est là? On a les armes. Ah voilà, changer de tenue. Modifiez l'apparence de votre personnage ici, vous débloquerez de nouveaux styles pour Colt et Juliana en améliorant votre niveau de chasse en incarnant Juliana. Ah dommage, je suis qu'avec Colt là. Ouais, pour l'instant, Kuchi ! Tu restes comme ça mon pote, désolé. Est-ce que j'ai autre chose pour cet emplacement ? Non, pour l'instant j'ai que ça. Hein. Ouais, faire un double saut. Ce qui est bien pratique. Hein. Donc, les breloques, est-ce que j'ai quelque chose ? Caractéristiques de votre équipement, équiper ou retirer des breloques de vos armes. Regardez de plus près en utilisant les commandes indiquées à l'écran pour zoomer, dézoomer ou faire pivoter votre équipement. Ouais. Oh, trop classe. Allez, on peut zoomer, dézoomer. Super, super, super. Donc, breloque. Réduit légèrement le recul qui est déjà équipé sur l'autre arme, il me semble. Ouais. On peut éventuellement... Non, pour l'instant, je change pas du coup.
Ouais, pour l'instant, je change pas. La machette, d'accord. Tribunal. De toute façon, pour l'instant, j'ai qu'une seule breloque, hein. Ouais, donc il faudra en récupérer d'autres. Effectivement. Dépourvu d'équipement. Là, on n'a rien. Une arme ou un module pour l'équiper. J'ai rien pour l'instant. D'accord. Et là-haut, c'est la reprise, hein. C'est ça. Très bien. Donc maintenant, par contre, est-ce que ça se réinitialise à deux fois? Je pense pas. Hein. Oh, pirate. Très bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Découverte. Sur Black Reef, le savoir est une arme. Colt se souvient de tout ce que vous découvrez sur l'île et ses découvertes sont enregistrées ici. Les découvertes sont classées par période et district auxquels elles appartiennent. Sélectionnez une découverte marquée d'une icône de diamant pour activer un repère en jeu qui vous guidera jusqu'au sujet de la découverte. Pour les découvertes liées spécifiquement au moyen de briser la boucle ou un équipement spécial, consultez le menu des pistes visionnaires ou le menu des pistes arsenal. Ok. Admettons, Ubdam. Charlie gère le réseau Minicom. Ouais. Rocher, le complexe. Belle Carl. Très bien. Eh bien écoutez, on va aller explorer le complexe. Si je fais L3, ça fait quoi? D'accord, c'est juste des infos. Allez. On continue. Jusqu'à la mort. Et je pense qu'elle ne va pas tarder. Ok. Enfin, jusqu'à une nouvelle mort, parce qu'on est mort une fois déjà. Deux fois, pardon. Tu vas passer tout ton temps à m'appeler comme ça, Julie? J'en ai absolument rien à foutre de ton putain de nom. Non, c'est pour ça que t'as demandé à tout le monde de me tuer. Que je traîne pas avec les bonnes personnes. Bon, centre de contrôle, à l'arrêt. Garde la tête basse. Oula, tu m'inquiètes là. Une vue mortelle. C'est-à-dire ? Des effets bizarres. Alors pour info, je l'ai pas dit, mais il y a trois modes graphiques, hein, pour info. Hein. Là, on est sur le mode performance, donc qui permet d'avoir la fluidité parfaite. Et ça s'en ressent, clairement. On dirait les grillages de Jurassic Park. Ok. Quelques petits graffitis qui servent à rien. C'est pour la déco. Ok. J'en ai un premier, là. C'est plutôt lui que je voulais scanner, mais ok. Attention devant. Eh mais le jeu il t'aide vachement. Trop bien. Attends, mais tête baissée, c'est pas pour rien, je pense, mon gars. Il est en train de me repérer là où c'est moi. J'ai pas envie de faire le tour du coup. Passer par là. Ils vont me voir, non, si je suis en hauteur comme ça. Non. Ça devrait le faire. Alors, combattons à l'épée, attends qu'il se passe quelque chose, ok. Lui par contre il y a de la fumée autour de lui, c'est assez étrange. Ok. Bon, est-ce qu'il ne se passera rien aujourd'hui, équipement basique. Bon la majorité est comme ça, on est au début du jeu là, ils sont sur équipement basique à chaque fois. Je suis pas obligé de les tuer je pense hein. En vrai là j'ai juste à passer à gauche, ni vu ni connu je t'embrouille. Non ? Sincèrement, hein. On va essayer. On passe tout en douceur. Oula, qu'est-ce que c'est? Tremblement de terre. Tu aimes les routes secondaires? Ouais, par contre, bonjour pour pas se faire repérer. Hein. Et les objets, toujours qui sont avec une aura violette, tu vois. Je me demande ce que ça va faire. Pour l'instant, je n'ai aucune foutue idée. Est-ce qu'on peut les attirer avec une... d'une façon X ou Y. Je sais pas, mais là, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas aller plus loin. Juliana qui dit, essaye de passer pour voir. Les commandes sont dans un autre bunker. Ah, il me repère. Hein. Il me repère. Donc, faut peut-être faire autrement. Je peux pas, de toute façon... Ah, bah attends, on peut descendre. Mais je suis un connard. Ou ralentit, fait du bruit ou ralentit pour observer. T'inquiète. C'est excellent quand même. Est-ce qu'on peut passer par là? Mais du coup, ouais, tout à fait. Je pourrais le surprendre comme ça. Je pourrais le surprendre, le prendre par derrière, tranquille. C'est trop bien. Tu peux sauter? Non? Si. Quoi? Non! Incroyable.
Ok. Affaire entendue. Passons à la suite. Je ne saurais dire si c'était vraiment une situation maîtrisée, mais... Tout est en dessous. Ouais. Ah, ici, j'ai de nouveau deux reprises, hein. Wow. Qu'est-ce que c'est que cette angoisse? Qu'est-ce qu'on a? Des balles. Gros calibre. Génial. Ok, là, tu vois, j'ai les deux armes, par exemple. Je peux passer sur celle-là. Là, je passe sur le hack. Ok, j'ai compris un peu le délire. C'est incroyable et un petit peu saut rétro hein, dans l'esprit, quand même. Je trouve. Par contre, il va falloir vraiment prendre l'habitude d'avoir deux armes. Pour l'instant, je préfère rester comme ça. Ça me paraît plus naturel. Il faudrait y penser. Garçon boucher. Donc, attention au corps à corps avec lui. Hein. Armé et rapide. Ouais, lui, c'est pas ouf. Faut qu'on aille où? En dessous. Ah ouais, donc je suis obligé de me les faire, là, j'ai l'impression. Pas trop de choix, hein. Il me voit pas, hein, en étant en haut, là. Ça le fait. Il y a la caméra aussi, on va éviter de se faire repérer. Ouh là là, tellement de tension. À la limite, moi, je pense passer par là, hein. Me faire celui qui est là-bas. Aujourd'hui, équipement basique. Aime le corps à corps. Bah, tu vas kiffer, alors. Petit coup de machette. Ok. Sur ses gardes. Je fais gaffe à elle, là. Mais est-ce que les autres vont pas me repérer, par contre? Alors, il y a du soin, là-bas, tu vois. Ça me rassure. De quoi reprendre du soin? Est-ce qu'on peut péter les caméras, hein? Ah! Attends. Brouiller le capteur. Ouais. Ok. Et là, en fait, ça se trouve, on peut tuer personne. Je pense, sincère, qu'on peut ne tuer personne et juste passer comme ça. Sûr que c'est possible. Mais je prends pas le risque. J'aime pas trop cette façon de faire. Je vais essayer de les tuer. De toute façon, on pouvait faire ça, ouais. Allez, j'arrive, mon coco. Elle va me voir, hein. J'étais pas d'humeur. Ou pas. On va essayer comme ça. Et... On va récupérer les cartouches de pompe. Ah, il me voit lui en face. Fossoyeur, j'ai déjà l'arme, hein. C'est pas intéressant. Tout droit vers... De quoi? Ils ont vu le corps? Non. Ok, t'es mort. T'es mort. Très bien. Ok, cours. Oui, oui, oui. Ouvre-moi zéro. Elle est pas puissante cette arme, c'est ouf. Attends, change d'arme. Ok. C'est quoi cette arme? Bon, heureusement que j'ai vite changé, mais... Qu'est-ce que c'est que cette angoisse? Pourtant, elle a l'air super belle et tout. Ah mais remarque, elle tire juste des clous. Ah, mais il y a une question de charge. Oh là là, je me disais... Attention derrière, quoi? Attention derrière. Pas comme ça, derrière toi. Quoi derrière moi? Mais je vais devenir parano. Ah ouais. Et si on charge? Ouais, c'est... Ah, trop classe par contre comme il recharge. C'est vrai que c'est pas très puissant. Hein. Ça, à quoi ça sert? Station pour munitions. Oh, trop bien! On refait le plein en fait. Et c'est gratos? Incroyable. La caméra, c'est bon, la piratée, y a plus de soucis. Tout droit vers l'intérieur. Y avait du soin, hein, je disais là. Hein. Ouais. Ok, merci bien. De ce côté, alors faut pas y aller, mais je suis curieux. Un mec. Ouais, non, j'entends des gens, je prends pas de risque. Cette arme-là, je sais pas trop quoi vous dire. Hein. C'est pas incroyable. Ce truc-là, je sais toujours pas à quoi ça sert. Épier. Ah oui, attends. Épier, tu veux dire que... On peut, voilà, se mettre comme ça contre une couverture. C'est ça que tu veux dire. Comprendo. La porte verrouillée, il y a un levier, pas de courant. Ça a pas l'air d'être alimenté. On va remettre le jus, éventuellement. Des balles, même si j'étais censé avoir refait le plein avant. De toute façon, c'était pas le cas. Non, ça va. Non. Donc, on va descendre. C'est fermé. Ah, bah, cool. Je trouve quelqu'un causer. Mais en face, tu peux y aller là. Bah, bien sûr. Ça part en vrille. Ça part en vrille. Ça part en vrille. Oula. C'est à dire. Centre de contour de la boucle. Ok.
on y est. Tu veux dire que là, il va y avoir de l'action, c'est ça? Bon, ça va, j'ai deux... J'ai deux reprises. Ok. Ah, ils savent que je suis là, ok. Je comprends mieux. Grenade. Quoi? Ce sera ça, ton premier jour? Cadeau. C'est pour moi. Bon, il doit bien y avoir un interrupteur par ici. Génial. Répondez-moi. La situation est sous contrôle. Colt, est-ce que c'est toi? Tout à fait. Ah, j'adore. Pas de bouton off. Oh, ça a l'air de faire des trucs importants, ça. Attention. Ah, celle-là, par contre, je suis amoureux. Ah ouais. Ouais. Le levier. Mais qu'est-ce que... D'accord. C'est en ciné? On est bien? C'est pas vrai. Dites-moi que je rêve. Bon, alors quoi? Faut que je trouve putain de batterie, quel que soit ce truc à la con. Il est tout le temps énervé. Réactivez l'appareil. Je me sens parfaitement bien. Batterie vide. Ici. Par contre, c'est marrant parce qu'on indique vraiment... c'est vraiment toutes les armes, quoi. Toutes les armes et objets qu'on doit trouver. Attends. Voilà, station elle est là. On va mettre la batterie. Nice. C'est bon, tu l'as mise? Insérer la batterie. Ah mais non! Sorry. C'est tout? Ouais. C'est confirmé. Yes, c'est bon. Est-ce qu'il y a une autre station? Apparemment ça ne suffit pas. Ah non, fallait les recharger. Putain mais je suis trop con. Faut la recharger ensuite, faut la mettre. Aïe aïe aïe. Ok, on a du jus, montre-moi ce que tu sais faire. Il sait des choses. On le sous-estime. Bienvenue Eternalite, ici Igor Serling. Vous êtes-vous déjà demandé comment notre merveilleuse boucle temporelle fonctionnait? Il y a bien longtemps, l'île de Blackreef fut victime d'un événement cataclysmique qui a déchiré le voile du temps et de l'espace. Nous appelons cette déchirure l'anomalie. J'ai fondé le programme Aeon avec les visionnaires pour protéger et étudier les déséquilibres éthériques de ce phénomène. Par conséquent, vous devez nous protéger et étudier, nous, les visionnaires. Suivez les trois commandements. Si la boucle est menacée, consultez le PPB. PPB? Le PPB est dans le bureau de la sécurité au rocher de Freestad. Prévenez le chef de la sécurité et il vous dira comment utiliser le PPB pour protéger la boucle. PPB, ça semble puissant. Ça pourrait faire des dégâts. Ouais, c'est parti, allons trouver ce PPB. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez au complexe, vous pouvez continuer l'exploration ou rejoindre directement la sortie. Mais attendez, on va découvrir toutes les zones du jeu, comment ça se passe? La vidéo va durer 300 ans. On reprend des munitions, très bien. La caméra, oula. Attends, on peut la hacker éventuellement? Ce serait pas con, hein. Voilà. Bon, ça, on va brouiller le capteur. Nickel, on peut y aller comme on veut. Ah, j'ai pas vu. Sorry. Prends la machette. Amène-toi, ma jolie. À la limite, attends, je me planque là-haut. Voilà. Viens. Moi, j'adore. Ouvre la porte. Où est-ce qu'elle est? J'entends ses pas, non? Ou je rêve? Ok. Admettons. Ah! Mais d'accord. En fait, c'est par là-bas que je dois aller. Pourquoi j'insiste à venir ici? Je ne sais pas. Je cherchais pas à comprendre. En fait, ouais. Si, remarque, faut descendre là-bas. Attends, je m'en occupais. Hein. Oh, c'est un sniper? Oh là! Ok, j'y cours, j'y vole. Tout doux, tout doux. Elle va se retourner pile poil quand il faut pas. Tu paries combien? Non, c'est bon. Nickel. Toute seule? Ouais, je crois bien. Impeccable. Donc je disais... Ah mais si, c'est pas par ici qu'il faut que j'aille, moi. Ah mais si, vous traversez là-dedans. Oh là là, mais attention. Ok, c'est la mort, hein.
Je pense si on tombe là-dedans. Attention, la survie, ça me connaît. Ah, ça, si on tire dessus, c'est foutu aussi, tiens. Quelques blocs de glace. Oh ! Je pense qu'on perd de la vie simplement, en fait. On doit pas mourir au contact, évidemment. Non, ça sera trop bizarre. Ok. On va quitter la zone. Hein. L'autre bunker, c'est ça ? Ah bah, du coup, j'ai pas le code, hein, non plus. Hein. Apparemment, c'est celui-là ? Ah, d'accord. Tu m'en diras, non ? Super. Ah, mais oui, c'est celui de tout à l'heure. Ok. Quitter la zone. Partir. Bien sûr, on met les bouts. Nope, j'ai encore... On y va. Le PPB se trouve au poste de sécurité, alors autant dire qu'il est gardé, bah, en lieu sûr. C'est qu'on a faim. Parce que là, en fait, j'ai pas envie de m'arrêter parce que je me dis que je vais redémarrer sur la plage, non? Ou alors je suis fou. Vous avez survécu. Ouais. Savoir à qui, trouver un interrupteur, tout ça, tout ça. C'est un par contre qu'on n'a pas encore eu l'occasion, la rapière, d'utiliser. Hein. Alors, maintenant, fouiller le poste de sécurité, ouais, explorer le rocher de Freestad. D'accord. Est-ce que j'ai pas quelque chose pour la rapière justement, mais je crois pas. Hein. Je vérifie quand même. Aucune breloque. Apparemment j'ai rien, mais elle est belle l'arme. En tout cas elle est très 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 jolie, ça me fait deux armes spéciales. Super. Est-ce qu'on peut s'arrêter ici? Attends, je suis en train de réfléchir à un truc là. Ah d'accord, peut-être qu'on peut s'arrêter là. Qu'est-ce que vous en pensez? Si je réincarne Colt, est-ce que je reprends de là où je suis? Ah ouais, peut-être qu'on peut s'arrêter, remarque hein. En tout cas j'ai adoré, hein. Que ce soit graphiquement, que ce soit au niveau des contrôles, c'est hyper fluide, agréable à jouer, tout ce que tu veux, quel univers, le level design aussi, on peut jouer comme ci, comme ça, passer par là, enfin c'est incroyable. Merci à tous, on se retrouve très vite pour plein de nouvelles aventures sur la chaîne. Dites-moi si ça vous intéresse donc qu'on fasse un let's play sur le jeu, moi ça m'intéresse vraiment de le continuer. Je ne sais pas comment ça va se passer parce que forcément c'est particulier avec le concept de la boucle temporelle. On va voir là, je pense qu'on ne reprendra pas depuis le début hein, apparemment, vu que quand je clique sur briser la boucle, voilà on reprend ici, donc théoriquement on devrait reprendre pile poil à ce moment-là. Merci encore d'avoir suivi, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu, pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines aventures et vidéos. Portez-vous bien, à très vite, ciao ciao.